J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, je n'ai pas un même plein de moi. Je vais le dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi, j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Sur l'hôpital, je vous donne des faits. Vous ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis oui, bien sûr. 11 milliards par an. Oui, oui. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après. Les médecins, les hôpitaux, tous les vendredis soir, ils font une minute de silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que vous étiez déjà élu. Je vous remercie de dire que ça date d'avant. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, ce n'est pas très argumenté. Et puis, de toute façon, toutes ces casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain, là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ce n'est pas des arguments, c'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi, je vais auprès de tous. Tous mes compatriotes. Je vais aller me faire soigner. Mais à mon avis, en tout cas, dites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Mais en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, je vous dis avec beaucoup de respect. Et le débat démocratique, quand tout se confond, il est plus compliqué. Oui, mais quoi discuter ensemble.